Hello Rich Company Praliné, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui, on va parler de beauté, de mannequinat, de moi comme futur mannequin pour vous, pourquoi pas, hein? Miss Martinique, stylée comme moi, avec plein de tatouages du jamais vu, avec 1m62, je précise, et je ne porte pas de talons. Et on va parler aussi de recettes, parce que j'aime manger, il est évident qu'ayant Mika en Martinique en passage, donc il fallait bien qu'il vienne nous faire un petit coucou. Alors, je vais d'abord prendre des nouvelles de mes chroniqueurs qui avaient un petit peu disparu pour certains. Comment tu vas, jeune homme? Je pensais que tu aurais commencé par les filles. Évidemment que non. Mais je suis flatté. Merci de commencer par moi. Ça va bien. En pleine préparation et de réception du deuxième bébé. Oui, c'est vrai. Félicitations, merci, maman. Merci, merci. Tu essaies de me battre sur non, la vie on de famille. Va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et puis c'est vrai, vous m'avez manqué, donc je suis revenu au moins ce mois-ci. J'espère encore ce mois-ci. Je fais la surprise, je tease. Oui. Et avec Linda, je ne pouvais pas ne pas refuser d'être là. Ça fait c'est longtemps qu'on n'a pas... C'est ça, exact. Vous faites un très bon duo. Un bon duo. J'avoue. Est-ce que tu te prépares pour cet été? Alors, je travaille le body. Ok, donc on n'ose pas le dire parce que c'est non, très non. compliqué. C'est-à-dire que j'ai fait une croix sur le summer. Là, je veux que ça dure après le summer, jusqu'au carnaval, jusqu'à l'été prochain, jusqu'à Noël prochain, etc., etc. Donc, c'est fini de juste travailler pour l'été. Et puis après, on oublie la rentrée arrivée, on laisse tomber. Ça va tellement vite. On prend de l'âge, on a des amis, que, bon, ben, même s'ils n'ont pas pris de poids, mais on ne sait pas qu'est-ce que la vie nous réserve. Et j'ai été touché par ça et ça m'a fait prendre conscience qu'il faut un corps sain, un esprit sain et inversement un esprit sain, un corps sain. Une alimentation saine aussi, c'est le plus difficile. Et du sommeil. Exactement. Voilà. Et toi Lily? Eh bien moi ça va, hein? Ça fait la deuxième fois ce mois-ci je crois. Oui, tu commences à faire beaucoup de progrès. Si je remercie mon responsable du coup. Oui, vraiment merci ta responsable qui te permet de venir parce qu'avant apparemment les cordes étaient... Oui, un peu serrées. Exact. Donc, merci à elle et merci à toi. Linda, j'ai une petite question pour toi. J'ai reçu un message parce que tu avais fait le malheur, bien moi, de dire où tu travailles. Et il y a une fille qui m'a demandé, est-ce qu'il y a un challenge de beauté entre vendeurs selon les boutiques, les concurrents? Je jurais que beaucoup de beauté. C'est ironique ou c'est pour de non, vrai? C'est pour de vrai. C'est pour de vrai. Bah écoute, si mes collègues sont à son goût, tant mieux pour elles. C'est mais bon. Ça. Surtout depuis le passage de ton cher collègue. Ah oui, fois. Oui, tout à fait. Non, mais c'est pas le critère de sélection. Mm-hmm. C'est pas un casting. Merci en tout cas de l'avoir ramené parce que je reçois beaucoup de messages pour lui. C'est-à-dire qu'il me paye entre-temps. Alors moi, je vais faire un petit coucou à la Guadeloupe. Parce que ce week-end, donc, j'ai fait un séjour en Guadeloupe et j'ai été bien reçue. Beaucoup de personnes m'ont reconnue, surtout les dames dans les magasins à la rue Frébeau. Un gros bisou. Bisous aussi. J'ai vu des hommes que je ne connaissais pas, mais eux, ils m'ont reconnue. Et ça faisait bizarre que les mecs criaient dans la rue. Oui, hey, mon Dieu, chocolat. Tu vois, donc ça m'a fait rire. J'ai pu manger de bonnes choses. D'ailleurs, j'ai réalisé que je ne suis pas une si grande gourmande que ça parce que la agoulou, ce n'était pas possible pour moi de terminer. C'est trop gros. J'avais pris un agoulou complet. Ça m'a coré. J'ai pu découvrir un coucou aussi au serveur du restaurant La Frégate à la Marina. C'était génial. J'étais venue manger des langoustes et il m'a convaincue de goûter à la cigale des mers que je ne connaissais pas. J'avais peur. Je trouvais la bête manière. C'est très moche. C'est très moche, mais c'est très bon. C'est la chair est plus raffinée que la langouste. Alors, de la langouste. Mais c'est plus raffiné que la langouste. La chair est raffinée. Puis il y a plus de chair. C'est trop bon. Donc, un gros bisou. Merci beaucoup aux O-Rock. Mon Dieu, j'ai passé un week-end génial. Donc, je vous donne rendez-vous bientôt dans l'émission sur Canal 10 avec Chicanos. Restez connectés. Bon, là, j'ai faim. Je vais goûter quelque chose. Je prends une odeur sur la table d'ananas. Comment vas-tu, Mika? Merci de me recevoir encore à nouveau, ça va très bien. Tu as une belle couleur. Ah oui, ça fait toujours bien de revenir un peu au pays. Après 6 mois à la montagne. C'est ça. Voilà.
Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je suis venu préparer un ananas protéiné, en fait, à base de rhum vieux, de l'eau, du sucre, de l'étolanisé, de la cannelle, de la vanille et beaucoup d'amour. Mm-hmm. Je ne sais pas, moi, tu... Oui. Je ne vous propose pas, hein? Ok? Je ne vous propose pas, je vais goûter. Non, moi, je n'ai pas droit à ça. Mmh. Ah ben pourquoi tu goûtes? Tu nous fais pas goûter. C'est ça. Tu es bizarre. Attends. Il y a des zestes de citron vert par-dessus. Mmh. Wow. Alors, j'ai pas droit à ça parce que, désolé, hein, pour ceux qui savent ce que je fais, ne me critiquez pas sur les réseaux sociaux. J'ai commencé le jeûne intermittent. D'accord. Depuis lundi et... Hier. Hier. Ça passe vite, hein. Ça passe, hein. On est dans le deuxième jour, là. Ça passe. Je suis au deuxième jour. Moi, je suis au deuxième mois. Voilà. Je suis au bout de ma vie. Parce que c'est... Quand j'ai vu ça sur Instagram, j'ai cru que c'était, tu vois, fun. Mais ça arrête. Tu t'arrives le matin pour boire de l'eau, après pour boire du thé. C'est... Et puis, il ne faut pas grignoter entre chaque repas. Chose que je ne sais pas faire. Donc deux jours, oui, deux jours, pour moi c'est une éternité. Alors comment on fait ça? Alors c'est simple, alors on fait d'abord un sirop avec du sucre, du rhum, un peu d'eau, et ensuite on laisse bouillir, en fait, on poche l'ananas directement dedans, et ensuite on rajoute tout ce qui est épices, en fait. J'ai mis aussi du safran, du riz d'or, en fait, c'est du faux safran, pour que l'ananas garde sa coloration à la rôti, enfin quand je le rôtis au four, quoi. Et ça se... Ça se mange tiède, on peut l'accompagner aussi d'un sorbet, par exemple, coco. Par exemple, là-bas, je mets ça avec un sorbet coco. Voilà. Je ne pouvais pas avec la chaleur. C'est ça. Ça aurait été plus un milkshake coco. Ça aurait été plus un milkshake, mais bon, voilà. Ok. Alors, bizarrement, bon, après, peut-être que c'est mon petit côté culinaire bizarre, j'aurais mangé ça avec du poulet. Ah, on peut, c'est bien. J'ai déjà fait des brochettes de poulet curry avec de l'ananas aussi. C'est très, très bon. Tu vois le style, Linda? Je n'aime pas le sucré salé. Ah non, mais j'aime trop. Comme d'accord. J'aime les pizzas hawaïennes. C'est, bon. Hein, pas... c'est vrai que c'est très bon aussi. Ça passe bien. Alors, c'est un peu dommage parce que tu nous avais préparé autre chose. Oui. Mais tu peux quand même parler de ce plat-là. À la base, je voulais faire un ceviche de thon, ou on peut faire le ceviche de dorade. C'est un carpaccio, en fait, de poisson cru qui est cuit à base de jus de citron. Et à la base, ça vient du Pérou. À la base, à l'époque, ils faisaient que du poisson cru et ils cuisaient ça avec juste du jus de citron. Maintenant, à l'époque d'aujourd'hui, on peut l'agrémenter fruits de la passion, de la mangue, des zestes d'agrumes, vraiment, on peut l'agrémenter comme on veut. Mais ça se mange cru, frais. J'ai du mal avec une question, justement. Oui. Le poisson cru, je sais que quand il est très frais, il peut y avoir des vers dedans. Donc, ça, c'est s'il prend vraiment trop la chaleur. Si vraiment on le laisse trop dehors, sur le pas chaud, en plein soleil, effectivement, ça craint, ça fait une réaction qui n'est pas très bonne. C'est pour ça qu'on conseille toujours de le manger assez frais et rapidement. Ok. Tu m'as dégoûté déjà que je ne mange pas de sushi. Malheureusement, je ne suis pas tirée par ce qui n'est pas cuit. Et j'ai trop vu des reportages où on montre qu'il y a des vers et tout. Et puis après, je me dis, ce n'est pas cuit. Non, ce n'est pas cuit. C'est une cuisson rapide, en fait, avec le jus de citron. En fait. Et la réaction entre le jus de citron, l'acidité et, en fait, et le poisson, ça, ils disent que c'est cuit, mais c'est un mi-cuit, c'est un cru, en fait. Mais ça se mange frais, quoi. Ça ne se mange pas chaud. Et toi, c'est un jour... J'aime bien, ça dépend à quel poisson. Avec le saumon, je ne suis pas fan. Avec le thon, ça passe. Avec le loup, la dorade aussi. Mais il faut que ça soit très, très fin, par contre. Alors, pour quelqu'un comme moi, par exemple, je ne le mange pas. Mais si je veux faire pour recevoir, par exemple, Linda, comment je dois faire et quel poisson qu'il faut choisir pour que ce soit un truc facile à faire? Il faut prendre, par exemple, filet de dorade ou filet de loup. Tout simplement, on peut le faire avec du chatrou aussi. J'ai déjà fait ça aussi. Avec du chatrou? J'ai déjà fait, bon, de taille très, très fin, oui. Oui, mais il faut le laisser mariner, en fait, faire une marinade à base de jus de citron, vraiment, pour que ça cuise. Donc, il faut bien le laisser mariner, limite 24 heures ou un truc comme ça, pour que ce soit vraiment cuit, quoi. On est sur une préparation qui prend combien de temps, à peu près? Ouais, ça prend 15-20 minutes, environ, le temps de tailler le poisson, le temps de faire la marinade, de le laisser reposer au frais, environ. D'accord. En ce moment, il fait super chaud. Je pense que tu as dû voir. Hein, il y a 7 mois quand je suis venu, il faisait aussi chaud que ça. Donc c'est vrai que c'est. Wow. Alors pour toi, c'est agréable parce que tu es en vacances, mais pour nous, c'est dur, surtout qu'en ce moment, on a beaucoup de coupures d'eau. J'en ai pas chaud. Moi, oui. Je suis mon père, il y en a. C'est bon. Je suis mon père, il y en a. C'est colorant. Par intermittence. Est-ce que tu peux nous donner un plat pas trop cher à acheter et à réaliser, pas trop compliqué, qui serait tendance en ce moment, lorsqu'il fait chaud, lorsqu'on reçoit des amis, pour un apéro? Ah, pour un apéro, donc c'est salé, oui. Pas sucré. Non, salé. Ouais, moi, je pensais, par exemple, à des toasts, par exemple,
avec de l'avocat, du guacamole, avec un peu de saumon fumé dessus ou quelque chose comme ça, des zestes d'agrumes, ça passe super bien. Et c'est frais. Alors ça, c'était un apéro à la française, mais pour les gars qui mangent comme beaucoup comme moi. Non, mais après, tu mets des apéros, après tu fais des petites brochettes de poulet ananas aussi, qui sont froides aussi, ça peut se manger froid aussi. Ça, c'est très bon aussi, avec de l'agrumes et des fruits, c'est... J'ai fait exprès de te poser cette question. Pourquoi ? Parce qu'on est un peu différents. Je dis « on », hein, je vais exagérer les choses. Effectivement, il y a des apéros où lorsqu'on reçoit, ce sera avec du vin, peut-être de la bière pour d'autres, avec des chips. OK, ça c'est niveau... Je ne vais pas te donner les numéros, sinon je vais me faire tuer. Après, tu as les apéros, comme tu viens de le dire, avec des toasts. Après, tu as aussi des gens qui te reçoivent avec des tartes. Des petites verrines. C'est vrai qu'il y en a, ils se cassent pas la tête, ils mettent ce chips cacahuète. Ouais, et d'autres qui vont vraiment mettre une bouchée de double, quoi, vraiment. Après, tu en as, c'est directement le plat. C'est des trucs vraiment plus consistants. Tu as l'intermédiaire quand même. Ceux qui prennent de la carotte, du concombre, des céleri, une petite trempette avec. Oui. Et puis, c'est très... Italy, c'est ça? Je sais pas. C'est vrai, c'est vrai, souvent ils font des bâtonnets de carottes avec bâtonnets de concombre avec sauce fromage blanc, ciboulette. Voilà, citron. Ça c'est l'intermédiaire entre les chips. Voilà. Et celui qui fait les verrines, qui fait plein de choses. C'est sûr. Alors chez toi, quand on... Ça dépend des invités. Tu t'adaptes. Regarde-moi bien. Il s'adapte ou c'est une question de budget? Aussi. Ou des fois, souvent, les gens sont en retard. Souvent, ils oublient, j'ai envie d'acheter, c'est tout fermé. Après 20h30, la maison est fermée, il n'y aura plus à préparer. J'ai donné 1h, 19h, t'arrives à 20h30, s'il reste, il reste. Oui, c'est ça. Mais c'est dur. Au moins, tu as été honnête, tu as dit tu t'adaptes. Donc, j'espère que tes amis vont bien comprendre. Mais ça. Si tu reçois ce moment-là. Linda, je te pose la question parce que tu es une grande. Tu es une passionnée de la cuisine. Tu cuisines bien. D'ailleurs, tu fus pendant un bon moment ma cuisinière. Non, c'est vrai, Linda, elle nous sort des trucs. Je pense que c'est la fille qui devrait faire des TikTok de cuisine. Comment tu recevrais pour un petit apéro? Ne dis pas moi, parce que tu vas exagérer pour moi, mais des amis. Alors, déjà, moi, c'est plus local. Et je mets les petits plats dans les grands. Donc, par exemple, une salade thym morue, je vais mettre dans une petite verrine. Je vais couper le concombre en petits cubes. En brunoise, on dit, c'est ça? En brunoise, oui. Voilà, c'est des petits cubes de concombre. Je mélange avec la morue, je fais ma petite sauce chien, je mélange tout ça. Je présente ça en verrine et c'est top, quoi. C'est ça. Tu fais des petits acras, des petits boudins cocktails et puis ça passe tout seul. Tu vois comment parfois qu'un petit, un truc simple, mais lorsque c'est bien mis en mode gastronomique, ok, comme la crevette couché sur son lit vert en cause de l'avocat. On avait dit ça il y a quelques mois. Sur son nid de framboise. Et je suppose que toi, en tant que chef, vu que tu fais traiteur aussi à domicile, ne me dis pas que trop si tu te mets à faire... Non, je ne commence pas à raconter des histoires aux gens. Des fois, je marque juste, je vais à l'essentiel. Saumon mi-cuit, voilà. Je vais pas, intitulé ni de framboise, marquer une longue phrase. Ils disent et s'ils me demandent, non, je dis l'intitulé. Des fois on paie pour un peu de poésie, hein, Gaston. Ah oui, bien sûr. On peut. Ouais, je fais l'intitulé, je marquais retour de pêche. J'ai pas été pêché. Tu fais de la viande, tu marques retour de chasse. Tu n'as pas été chassé, mais bon, tu sais, pour voilà quoi. J'aime trop ça, quand je vais au restaurant, je prends mon temps de... C'est vrai, de des fois c'est marqué entre terre et mer, donc on se dit c'est terre ou mer, c'est un mélange de terre et mer. Quoi. Mais l'année dernière, pour la fête des mers, j'avais préparé en entrée une semoule de carottes. En fait, j'ai trouvé ça complètement par hasard, j'avais pas envie de râper les carottes, j'ai tout mis dans un mixeur, et en mixant, en fait, ça a fait de la semoule de carottes et c'était super. La semoule de carottes? Ouais. D'accord. Ça ressemblait à la semoule, mais c'était de la carotte. Et du coup, bon, après, on assaisonne, épices, machin, vinaigrette. Ça fait un quoi. Exactement. C'est ça. Ouais. Je pense qu'on va garder Linda toujours dans la cuisine. Bon, je vais pas. J'ai été éliminée. Est-ce que tu as un petit message à faire passer aux téléspectateurs? Déjà, merci à mon père, parce que c'est mon père qui m'a aidé à faire la recette, vu qu'il est d'ici, il est local. Donc, je le remercie pour cette recette. On l'a fait à deux. C'est lui qui a eu l'idée du riz d'or dedans parce qu'il m'a dit que ça gardait la couleur de l'ananas parfaitement. Donc ça veut dire que bientôt, là, quand tu repars, tu vas pas tarder à ramener papa avec toi. Non, il va rester ici. Il a des projets ici, donc il va rester ici. Ok. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ta minute. Après ça, je vais boire de l'eau encore. Attends. Pour les gènes. Voilà, c'est ça. Est-ce de l'eau? Mais tu le fais de quelle heure à quelle heure, ton jeûne? De 19h jusqu'au lendemain. Et ça fait deux jours.
Exactement. Voilà. C'est énorme, voilà. Ça fait deux jours. Présente-toi, jeune homme. Je dis jeune homme, présente-toi. Steven Jean-Yves Zamor, directeur artistique et agent de mannequin. Agent de mannequin. Ok, d'accord. Ben, je laisse Linda commencer. Tu me prends de court. C'est fait exprès. Ben, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas Your Angel Models. D'où la réaction. Alors là, je suivais Your Angel Model Search. Ça sortait une fois par semaine, je crois. Oui. Je ne me rappelle plus du jour, mais j'étais là chaque semaine à regarder. Donc, j'ai vu Dani Rose, j'ai vu Lucille. Ça se voit, elle commence à bouger. Ah oui, non, mais j'étais fan. Estelle Linette aussi. Oui, j'étais okay. Vraiment fan. Et bah, du coup, la question, comment tu es rentrée dans l'industrie de la mode? My God, ça remonte, hein, ça fait déjà 18 ans. Comment je suis rentrée? On va dire que c'est par hasard. Déjà, j'ai baigné dans un environnement familial où on a des couturières et des anciens mannequins. Et je dirais que je suis rentrée dans l'industrie en étant assistant maquilleur sur mon premier festival de Cannes en 2006. Et c'est de là que j'ai rencontré des agents qui accompagnaient des mannequins. Et puis j'ai vu l'écosystème que représentait cette industrie. Et je me suis dit, eh ben ouais, ça me ressemble. Je crois que j'ai trouvé ma place et j'ai maquillé des mannequins. Et dans les backstage, j'ai demandé comment ça se passe. J'ai vu des mannequins accompagnés de personnes. J'ai dit, c'est qui? On m'a dit, oui, c'est mon agent. J'ai posé des questions en demandant ça consistait en quoi. Et en me documentant, bah, j'ai dit voilà, je crois que j'ai trouvé mon métier. Excuse-moi, je suis choquée parce que tu as dit que tu as commencé par le maquillage. Oui. Mais lorsqu'on regarde qui tu es, on n'a pas l'impression que tu as commencé par du maquillage. On a l'impression en fait que tu es née comme ça, tu es née avec ce style-là, que tu as toujours eu le goût pour la mode. La démarche, je n'arriverai jamais à marcher comme toi. J'ai essayé, je ne sais pas marcher des talons. Mais je suis vraiment, comment je peux dire ? Émerveillée. Émerveillée. Mais je pense que c'est comme une quête de soi. Hein. C'est trouver sa place dans le bon poste, dans le bon métier, à la bonne case. Donc, c'est à un moment donné, sur ma route, ah ben je me suis faufilée au bon endroit et... Ça a été une grande révélation. Ben, tu es rentré au bon endroit, même. Tu as parlé de bonne case, de bon métier, mais moi, je voudrais ajouter la question du timing, comme dans les relations, comme dans la vie professionnelle. Je pense qu'il y a une part de timing, et ma question, c'est de savoir quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer, ou à l'époque, comment c'était versus aujourd'hui, c'est quoi l'évolution, en fait, de cet univers? Quand tu parles de timing, c'est très vrai, c'est important parce que pour être épanoui bien dans sa peau, il faut se connaître soi-même, mm-hmm. Il faut se découvrir, il faut connaître son potentiel, il faut le comprendre et puis connaître ses limites. Si tu étais allé 5 ans avant, ça aurait été pareil, peut-être. Tu penses que ça aurait été pareil? Non, je pense que c'est un destin, c'est un cheminement. C'est, après mon BTS, je suis parti travailler à Paris, j'ai fait de la finance, hein. Ça n'a rien à voir. C'est clair. J'étais dans la finance en tant que chargé de grand compte en back-office à la Société Générale, mais je me sentais dépéri. Hein. Donc, parce que j'étais abonné aux revues de mode, je regardais la Fashion Week, j'entraînais tous mes collègues dans le lifestyle, dans le styling. J'avais déjà ce look Quoi? Que tu as. Oui, bon, je l'ai peaufiné avec au fur et à mesure que mon pouvoir d'achat s'est offert et augmenté. Mais je pouvais déjà me réaliser des super looks pointus avec des choses pas chères. Après, c'est juste une question de sensibilité et d'assemblage. Il a déjà dit la réponse à ma question, parce qu'il y a des gens, deux femmes, elles m'ont posé cette question pour toi, parce qu'on ne se rend pas compte. Mais est-ce qu'on peut avoir à peu près ton look ou être aussi fashion avec un petit budget? Est-ce qu'il faut forcément aller haut? Est-ce que je continue à lui répondre ou je vais sur la tienne? Je te réponds et je retourne sur ta ligne. Non, des fois, les gens sont choqués. Moi, j'investis sur les sacs et les chaussures. Okay. Là, pour moi, c'est primordial. C'est quitte à souffrir, vaut mieux souffrir avec une belle paire de chaussures et puis
minimise un peu le choc. Okay. Donc j'investis plus sur les sacs à main et les chaussures. Et puis je peux trouver des super tops chez Jennifer, chez Mango, des trucs comme ça. Et le truc, c'est de trouver les accessoires, les ceintures de taille, les bijoux pour augmenter tout ça. Et puis on peut penser que vous êtes very expensive. Okay. Après, c'est l'attitude, le port de tête, l'élégance dans l'espace. Comment tu vends l'histoire? Ok, merci. Mais avec des pièces, je vais chiner chez Jennifer, je peux aller chez Pinky, après je peux aller chez Louis Vuitton, après c'est... Voilà, c'est... Ok. C'est comment on constitue un look, c'est l'inspiration, la sensibilité, ce qu'on a envie de dégager. Et les gens disent que je suis... J'aime bien être sexy. Sans mais... Sexy, mais pas vulgaire. Voilà. Donc je vais regarder si c'est pas trop provocant et puis souligner les courbes, les formes au bon endroit. Vraiment, tu le fais bien. C'est pas très provocant, il a dit. Ah oui, très provocant, c'est au carnaval seulement. C'est au carnaval seulement. Non, je repose la question, c'est de savoir, entre quand tu as commencé il y a 18 ans et maintenant, quelles sont les différences que tu peux noter et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées au début? Donc, le timing, pour revenir à ce facteur important, c'est savoir où tu veux aller, comment et pourquoi. Mm-hmm. Donc, déjà se connaître soi-même, parce que souvent, on est avec des complexes, on a hérité de complexes. Et à un moment donné, j'ai voulu savoir d'où je venais et où je voulais aller. Donc, j'ai fait cette recherche, j'ai investi sur mon intellect, du développement personnel, de grandes lectures comme Frantz Fanon, des choses comme ça. Il y a des lectures clés à avoir dans son équilibre en tant qu'homme noir. En plus, moi, je cumule beaucoup. Je défends la cause noire, je défends la cause LGBT et je défends la cause féminine. Donc, il faut être suffisamment ancré et bien dans ses baskets et savoir qui on est pour pouvoir porter ce genre de combat, avoir un discours construit construit et surtout avec un argumentaire qui repose sur les faits historiques, parce que souvent le racisme, la xénophobie ou l'homophobie repose sur l'ignorance. Donc pour déconstruire les pensées limitantes ou les préjugés en face, il faut apporter de la culture, de la connaissance et puis on va dire éduquer les autres sur leur méconnaissance. Et donc une fois ces étapes-là franchies, je me suis dit que dans quoi je me vois m'épanouir. Puisque une fois que tu as lâché les boulets du complexe, du candidaton, je dis, oh, qu'est-ce que je veux faire? Qui je veux devenir? Je suis tombé amoureux du métier d'agent de mannequin. Je me suis dit, il faut que j'explore pour emmagasiner le maximum de connaissances. Parce qu'il n'y a pas de... En me renseignant dans l'industrie, il n'y a pas de cursus pour être agent de mannequin ni booker. Donc, il faut avoir une aptitude, il faut être patient, il faut avoir de l'empathie, il faut avoir une culture et une envie dévorante d'emmagasiner de l'imagerie. Donc, c'est pour ça que j'étais abonné à des magazines comme Vogue, Elle, Marie-Claire, aller voir des expositions, connaître l'histoire de Saint-Laurent, de Galliano, voilà, connaître les pontes de la mode parce qu'ils ont créé des mouvements, des tendances. Et puis, pour pouvoir... nourrir mon imaginaire pour construire en retour l'image de mes mannequins. Parce qu'on ne peut pas souhaiter aller dans l'industrie du luxe, lancer des grands mannequins et ne pas connaître comment l'industrie fonctionne. Et ceux qui ont nourri et porté les grandes périodes de la mode. Donc c'est en ce sens que je me suis investi et documenté et construit pour pouvoir aller avec toutes les cartes en main dans la mode. Et après, je suis revenu en Martinique pour pouvoir chercher les bons profils parce que je m'étais renseigné pour demander aux grandes agences, essentiellement à New York, qu'est-ce que vous recherchez? Parce que je ne vais pas aller chercher bêtement. Je suis assez cartésien et pragmatique. Donc, pour ne pas faire les choses dans le mauvais sens, j'ai cassé ma tirelire, je suis parti à New York. Et j'ai frappé avec audace et culot au port des Gondins. C'est là que j'attendais de savoir si tu étais boosté dans des soirées, dans des défilés, serrer les mains. Non, avant d'arriver tout ça, il faut qu'on t'accepte et qu'on te reconnaisse. Donc je suis allé de façon pas audace, je suis allé aux États-Unis, à New York. Sans invitation? Non, je me suis dit, j'ai pas. Déjà, il n'a pas la barrière de la langue, donc c'est déjà bien, un avantage. Oui.
Mais c'est quand même bizarre d'être entouré de la Dominique de Sainte-Lucie, qu'on soit pas bilingue. C'est ça. Déjà, moi, je n'ai jamais compris ça. Bon, donc, bon, petite parenthèse, je ferme. Et donc, j'ai été à New York et j'ai demandé aux agences, qu'est-ce que vous recherchez, c'est quoi le profil de filles qui fonctionne et tout ça. En ce temps-là, c'était les filles noires. Comment ils m'ont dit ça? C'était un peu troublant. C'est Black Girls with White Features. Okay. C'est des filles noires avec des traits de blanche. J'ai fait OK. Donc c'était à la Naomi Campbell, lisse avec des extensions. Et donc j'ai dit OK. Donc, et les garçons, ils m'ont montré quelques profils. Et puis après, je suis revenu en Martinique et j'ai commencé à retourner l'île pour trouver. Je vais enchaîner sur une question qui est très importante. Après, je ne sais pas si ça rentre dans ton profil, mais qui ne tente à rien n'a rien. Est-ce que tu t'es demandé un jour, est-ce que tu pouvais faire un casting différent de ce que tu as l'habitude de faire, mais tu comptes rester tout le temps dans mannequinat 1m60, combien il faut faire? 76, 77. Voilà. Mm-hmm. Tu n'as pas envie de faire à côté, genre mannequin en homme. Côté atypique. Ou bien, tu vois, atypique. Même pour les femmes comme Linda. Oui, mais après, il faut que je puisse avoir un débouché, une industrie. Je ne vais pas prendre pour prendre, parce que c'est comme. Je ne dors pas. Je travaille 7 jours sur 7. Je gère la carrière de A à Z, les déplacements, les contrats. Je négocie les cachets. Mais si je me suis attelé à faire ça, c'est parce que il y a déjà un marché qui peut permettre aux filles de vivre. Ok, d'accord. Les curvy, les plus size, ça commence à prendre forme, ça commence à être rentable, mais c'est aussi un business, hein. Ok. Donc je peux pas promettre à une fille curvy de percer et qu'elle puisse vivre de son image si je mens. Mais est-ce que tu penses que la demande, c'est parce que c'est pas pour les Antilles, parce que pareil pour les petites filles. Il y a une dame qui m'expliquait qu'ailleurs, par exemple aux États-Unis, il y a beaucoup, mais en France, il y a beaucoup de mannequins. Ah, tu veux qu'elle fasse des castings de tous les types pour la Martinique? Non, je me demandais qu'est-ce que tu en pensais, par exemple. Mais moi, je suis prédestiné à l'international parce que les gens ne veulent pas payer en Martinique. Ok. Donc, si des fois, moi, je me suis retrouvé à confronter à une réalité, des fois, on paye les filles 50 euros pour une 4x3. C'est vrai? Oui. Okay. Alors, ça devrait être? Du moins, j'ai toujours adapté mes tarifs par rapport au national et à l'international. Donc, pour faire une 4x3, c'est minimum 2000 euros chez moi. D'accord. Mais comment on calcule en fait l'image de quelqu'un par rapport à ce qu'elle va promouvoir? Donc tu veux que je c'est vrai, franchement. Je t'envoie pardon, mais rendez-vous avec qui? Non. Il veut se présenter. Je vais donner les grandes lignes. Oui, ça rentre dans le. Tu es plus âgé, tu penses? Comment? Est-ce que tu penses? Mais il y a les mannequins seniors, hein. Mais ça fait très longtemps. Il a la taille. J'ai pas. À l'époque, il m'avait dit. J'avais trouvé assis. À l'époque, quoi? À l'époque, j'avais quand même 30 kilos de moins. Il m'a dit de revenir avec plus de kilos. Ah, donc vous êtes déjà vu sans t'en rendre compte. Il était tellement maigre. Il était skinny. C'est ça, il était skinny. Là, maintenant, il s'est mis à la muscu. Linda, tu as une question? Oui, donc, tu as ta propre agence de mannequins. Mm-hmm. Tu as été le directeur artistique pour Miss Martinique, Floriane Bascou, mm-hmm. qui a terminé première dauphine. Mm-hmm. Tu as aussi... préparer la Miss Guadeloupe, mm-hmm. qui finalement a été Miss France. Mm-hmm. On peut dire que là, ton talent n'est plus approuvé. Mm-hmm. Pour toi, est-ce que tu penses qu'il y a une prochaine étape ou est-ce que tu penses que tu es déjà mais c'est pleinement... Tu peux s'occuper de moi? Pour finir... Il y en a un blanc. Elle va mettre mal à l'aise. Non. C'est son credo. Donc, est-ce que ta mission est accomplie ou est-ce que tu penses qu'il y a une prochaine étape? Ma mission n'est pas aboutie. On est voué à être perfectible. On a toujours de nouveaux challenges. J'ai de grands rêves pour mon île, même si des fois, je trouve qu'on me freine et qu'on me donne pas... On n'ouvre pas les boulevards, les avenues pour que je puisse déployer ma vision et tout mon talent. Donc, comme je vous l'ai dit en aparté, je suis revenu. Après... plein de péripéties que vous avez pu suivre suite à mon départ de Miss Martinique, ma collaboration avec Indira. Ça a été une belle revanche, je trouve.
Revanche, je ne sais pas, je dirais que c'est le destin. Parce qu'en revenant avec Florian Bascou, il faut savoir que je suis mauvais perdant. Donc quand on prépare une fille, je cadre et borne tout pour pouvoir l'emmener à la victoire. On a bien vu que elle était la favorite, elle méritait amplement, il y avait le groupe, il y avait elle. Donc je pense que c'était indéniable qu'elle dominait le concours en termes de beauté, de présence scénique et puis d'élocution. Elle était très très à l'aise, sauf qu'on lui avait mis une peau de banane pour glisser sur une question. Mais bon, comme on dit, on est fair play, on accepte. Et puis je me suis dit qu'on reviendrait fort de cette expérience, mais on allait encore mieux verrouiller pour gagner. Et puis il s'est passé, bon, il y a eu un désaccord. Bon, voilà, on n'a pas voulu accepter mon tarif après de tels résultats, mais je préfère... Voilà. Et est-ce qu'on te retrouvera cette année à faire pareil pour une autre Miss? Faire pareil, je sais pas. Après... C'est-à-dire t'occuper d'une Miss. Est-ce que tu penses que cette année qu'on va te retrouver, soit en Martinique, soit en Guadeloupe? Ou Guyane? Maintenant, il n'y a pas de souci. Moi, je pense que je suis ouvert à... J'ai une régie publicitaire, les gens peuvent me contacter sur Facebook, Instagram, ils me font des demandes, j'envoie des devis et souvent, les gens ne répondent pas. Normal, en ce moment, les zéros. Non, mais il faut... Quand je parle avec certaines personnes sur les réseaux sociaux qui me contactent pour préparer une fille, il faut savoir que quand je suis investi pour gagner ou pour changer la vie d'une fille, ça doit être... C'est un échange. Je travaille, il faut pas brader son talent. Exactement. Et puis quand la fille, elle gagne Miss France, c'est elle qui est Miss France, pas moi. C'est donc ça. Moi, on me laisse au bord de la route. Donc chérie, qui va me laisser au bord de la route, paie-moi. Oui. Paie-moi. Et puis, si tu restes inscrite dans une lignée, parce que elles sont inscrites dans un trombinoscope. Elles vont être la Miss France d'une année, mais ça restera à vie. Donc, si une personne, des parents, une fille a envie d'être coachée par moi pour pouvoir changer son destin, ben ça a un coût. C'est alors, comme... ça vient à la question très importante, puisque comme tu es maintenant de retour, Oui. Avec plein de projets. Exact. Est-ce qu'à part être agent de mannequin, oui. Est-ce que... quelqu'un de lambda peut prendre tes services pour changer sa vie, lui donner confiance, l'aider à s'habiller, l'aider... Ah ben oui, on fait ça justement. Ben, je ne sais pas si vous nous avez suivi un petit peu sur les réseaux sociaux. Ouais. Je collabore avec la Galeria. Ouais. On a mis en place un système de jeu pour du relooking avec des challenges. Non, avec... mais pas en jeu, en mode perso, c'est-à-dire... En mode perso, oui, on va développer... On va développer. Ça ne regarde pas la Galeria, ça nous regarde nous tous les deux. Oui. Sans caméra. Voilà, sans caméra. Mais oui, mais c'était une amorce pour emmener là où je voulais en venir. Okay. C'est qu'on va créer avec ce centre ou peut-être d'autres, je vais développer une permanence de personal shopping. Okay. Donc, vous pourrez louer mes services à l'heure et puis on va étoffer, trier, améliorer votre garde-robe. Il va avec... tout jeter, hein. Mais non, souvent on a des pièces, mais on ne sait pas les agencer. Et je me suis découvert une passion, c'est... je suis un peu style sur les bords, c'est que des fois je vois des pièces, des fois il faut donner des coups de ciseaux. Il faut, à la Charlie, faut, ouais. Au lieu de le donner... Coup de ciseaux. Et j'ai développé un partenariat avec une très très bonne couturière et avec certaines clientes. J'améliore, j'upgrade certaines pièces pour les transformer et les porter différemment. Justement, j'ai une question concernant les pièces. Oui. Est-ce que pour toi, il y aurait... Non, donne-nous deux intemporels qu'une femme ou un homme devrait avoir dans leur placard. Dans leur placard, accessoires ou vêtements? Un accessoire et un vêtement. Ok. Une femme, c'est un sac Chanel matelassé. Non, non. Appelez-vous sous le Un jean Levi's bleu bruit de taille haute. On peut mettre avec chemisier, Marcel. Taille haute, tu as dit. Oui. Mais là, tu parles des skinny. Même moi, je ne peux pas mettre un pantalon taille haute. Pourquoi? Bien sûr. Je trouve que les tailles hautes vont aux femmes fines et ventre plat. Non, non. Si tu fais un combien? 38? Là, un 38-40. Tu prends une taille au-dessus pour faire un peu boyish, un peu oversize, okay. Et puis tu mets des petits marcelles, ça va améliorer, te donner une taille plus fine. Ok.
Et puis tu peux agrémenter d'un foulard, un carré Hermès comme une ceinture, et puis des escarpins pour se donner sa petite touche walking girl. Et pour l'homme, parce que lui il est très fashion, je vais pas mentir, pas mimé pour des cœurs. Pour les garçons, je trouve qu'il y a des beaux, il y a des mocassins qui sont des iconiques. Une belle paire de mocassins, je trouve ça excellent, et une veste cintrée noire, c'est un must have. Vous pouvez mettre avec du jean, du pantalon, avec chemise ou sans chemise, avec une multitude d'accessoires pour ce côté sexy, mais un peu rock, ça passe. En parlant de mode, histoire que nos téléspectateurs puissent prendre confiance en eux, j'ai vu que tu as montré qu'il faut assumer qui on est, il faut assumer aussi le style qu'on a envie d'avoir, chose qui est très difficile. Oui. Même moi, parfois, ça m'arrive, pas que je vis pour les gens, mais... J'achète parfois des pièces en métropole et quand je suis en Martinique, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à le porter. Et pourtant, en France, j'arrive à le mettre. Donc, est-ce que tu penses que les Antilles nous empêchent de suivre la tendance? Parce que toi, est-ce que tu suis la tendance quand tu es ici? Ah, je m'habille comme j'ai envie. Donc, et ça rejoint ce cheminement. Je pense que quand on a cassé le regard de l'autre et qu'on s'habite pleinement et qu'on vit pour son bien-être, ses envies, ses goûts, ses choix. Je pense que le choix vestimentaire passe avant tout parce qu'on se plaît dans le miroir. Ok. Si on a envie de sortir comme ça et qu'on est à l'aise et qu'on se sent bien, on y go. C'est vrai que il y a un décalage entre team fashion avec l'influence métropole et les teams un peu look lemon et tout ça, mais je pense que les gens devraient assumer et puis vivre pleinement leur liberté. Okay. Donc on vit pour soi avant tout, on est là pour une belle aventure, un beau passage sur terre. Je vois, sincèrement, je me soucie plus depuis longtemps du regard des Même autres. Même quand tu sens les regards sur toi. Je les sens plus. Je me kiffe. Est-ce que tu es quand même conscient que tu restes le modèle pour certaines femmes et aussi certains hommes? Oui, et j'en suis conscient puisque souvent je suis arrêté dans la rue quand je fais mes courses. Et les gens sont surpris que je sois accessible, parce que pour moi, c'est une forme de transmission, d'aider les autres à avoir accès et prendre possession de leur liberté. Et ils me disent, oui, c'est courageux, c'est pas évident. Non, au début, c'est une forme de courage et tout ça, mais quand vous goûtez à ce phéromone, cette molécule de satisfaction que ça procure, mais... Vous n'imaginez même pas comment la vie peut être belle. C'est que vous vous focalisez sur d'autres choses, vous vous focalisez sur votre accomplissement personnel, professionnel, la gestion, la planification de vos projets, mais on n'a pas le temps de s'occuper des fesses de la voisine. Et souvent, j'ai eu des petits soucis de commérage, j'ai dit... Très personnellement, je n'ai même pas le temps de me gérer. Allez voir vous gérer, vraiment, vous avez beaucoup de temps. Et c'est ça, c'est avoir ce détachement et puis dire aux gens, vous n'avez qu'une vie. Vivez-la à fond. Et puis donnez-vous les moyens. Mm-hmm. Et c'est ça le seul mot d'ordre. C'est vivre à fond ses rêves, ses envies, ses pulsions. Dès qu'on n'enfreint pas la liberté des autres et qu'on n'est pas sous le coup de la loi, ah, mais je crois que le périmètre est très large. C'est ça. Et en plus de ça, les gens sont surpris que je sois aussi à l'aise et souriant. Mais je peux être souriant, mais je ne laisse pas les gens glisser et écorcher ma liberté. La grille est très haute. Tout à fait. Question pour Mika, quel est ton style quand tu ne travailles pas? Quel est ton style vestimentaire? Été comme hiver? Oui. Il y a des saisons chez toi? Oui, la même chose. Non, moi j'aime bien en général souvent les un peu des Sarouel, les Vans. Après l'hiver, c'est les Timberland. Plus la capuche souvent, un petit peu. Mm-hmm. Ouais, pas très doudoune des fois. Bon, après, quand je suis à la neige, je n'ai pas le choix en montagne en saison d'hiver. Mais sinon, non, après ici, voilà, Vans, short. Tu es simple? Voilà, simple. Voilà. Ok. Je te pose la question, mais j'ai déjà ma réponse. C'est quoi ton style le plus?
Je m'adapte, j'essaye d'avoir ce qu'il faut dans la garde-robe qui va s'adapter à une situation. Quand je vais travailler, je sais pas comme quand je vais sortir, quand j'ai envie de sortir, c'est en fonction de l'humeur, donc ça varie. Et les années, les rencontres m'ont fait m'intéresser un peu plus à la mode. Parce qu'en fait, ça agit sur mon mood, mon état d'esprit. Donc c'est de savoir que même si je vais pas bien, faut que je sois suffisamment solaire à travers ma tenue pour que je puisse aussi communiquer parce que bon ben professionnellement j'en ai besoin aussi. Il faut que je puisse donner envie à la personne en face de moi de pouvoir échanger, de m'ouvrir sa porte pour qu'on puisse après collaborer. Donc non, je m'adapte. Même quand j'ai eu l'occasion d'être dans les pays avec saison, on voit qu'il y a des couleurs, on voit aussi que ça change. Quand tout le monde a un pull qui est noir, gris, tu es dans le métro. Novembre approche, il y en a un qui a envie de sauter sur les rails, tu te dis, oh. Et tu as déjà tout est austère, et puis l'éclairage aussi, on a moins de vitamine D. Il faut pouvoir avoir quelque chose pour dynamiser un peu tout ça. Donc oui, un peu de couleur, ça fait, c'est bon dans la garde-robe. Avant c'était bleu, noir, blanc, là j'ai même un petit peu plus de couleur. Et toi Lily? Eh ben moi depuis pas longtemps j'assume mes rondeurs. Félicitations. Oui, welcome. Voilà. J'ai une belle curvie. Good job. Merci. Ça vous qui attend, Halloween, belle curvie. Voilà, du coup, en fait, je dis que j'assume mes formes, c'est pas réellement vrai. Je détourne l'attention. Donc j'aime bien les beaux sacs. Donc je vais investir dans les sacs. J'aime bien les beaux bijoux, j'aime bien me maquiller et donc voilà. Je mise tout sur ça. Mais tu es très belle. Donc continue comme ça. Ben oui, et c'est bien de sublimer ses atouts, d'en être conscient. Et j'avais dit ça une fois dans un relooking télé, j'ai dit, il n'y a pas de femmes laides, il n'y a que des beautés qui s'ignorent. Et il suffit de réagencer une coupe de cheveux, un make-up, un eyeliner, un coup de mascara. On peut transcender et révéler... un diamant brut. Moi, j'aurais besoin de toi quand j'aurai mon body summer, donc rendez-vous mois de septembre. Après la saison. Parce que là, si on fait maintenant, si je te vois maintenant, ça va rien changer parce que je ne suis pas encore dans le body qu'il me faut. Ok. Moi, j'ai juste besoin de deux choses. Oui. Cette année, j'ai décidé de faire un peu plus femme. Parce que j'ai marre qu'on me prenne parfois pour une gamine. Une jeune fille de 27 ans. Ouais, de 27 ans. Je trouve que je ne fais pas mon âge. Déjà, sur ma façon de m'habiller. Oui. Pas que je le désire, mais je ne sais pas marcher en talons. Je ne trouve pas de talons où je me sens à l'aise. Tu ne sais plus marcher en talons. Je ne sais plus. Ce fut un temps où je gambadais avec des talons. Et depuis que j'ai arrêté... On allait à Fort de France en talons. J'arrive plus à marcher dans les talons. Et j'aurais aimé avoir un look... plus femme, tu vois, femme d'affaires. Donc, quand je suis descendue là en métropole, j'étais en métropole il y a 2 semaines, j'ai acheté des vêtements que je ne sais pas. Finalement, j'aimais voir le vêtement. Et puis, maintenant, je suis dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai acheté là? J'ai acheté des tailleurs, des trucs comme ça. Et je me dis, ouais, je ne suis pas encore prête. Parce que quand je mets le vêtement, j'ai au moins 12 cm à terre. En fait, il faut des talons. Je trouve que parfois, sans talons... Pas forcément. Des fois, je ne suis pas forcément tout le temps en talons. Il y a des vêtements qui vont avec les talons. Oui, sans talons, si tu n'as pas envie de mettre de talons, tu peux mettre des sarouels ou des pantalons coupe ample avec de jolies savates, des espadrilles, un petit Marcel ou une marinière. Je veux marcher en talons. Voilà. Donc c'est ton objet. Parce que je trouve que ça fait un plus. Oui. Tu as vu ta démarche quand tu as des talons? C'est comme ça, Beyoncé, mon rêve derrière. Ça change. C'est une attitude, c'est une armure. Et quand j'apprends à marcher aux femmes, c'est se transcender et véhiculer une histoire. C'est vraiment une armure et un espace temporel où vous existez, vous affrontez la vie avec courage et vous revendiquez des choses et vous existez sur la place publique. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Mais le 25 mai, vous pouvez venir à la Galeria. J'ai ma masterclass. On va venir regarder discrètement. Tu vas kiffer. Vous allez kiffer. Au début, elles étaient timides. Elles étaient en train de se regarder en chaîne faïence derrière un petit mur. J'avais une très bonne playlist. En plus, j'aime mettre l'ambiance. J'avais un DJ. J'avais fait une très belle sélection de musique. Première session, ouais, il y avait 4-5.
elles ont tellement kiffé, donc tout le monde s'est greffé au groupe. Au bout de la troisième session, j'avais 120 femmes excitées dans la galerie. Donc c'est rendez-vous le 25 ou à samedi 25 à la Galeria, donc à partir de 14h. Oui. Donc je vais donner des masterclass offertes par la Galeria aux femmes de la Martinique. D'accord, mais rendez-vous le 25. Avec toi. Tu seras Vous me verrez en talent. À la semaine prochaine, bye bye. Un relooking avec Steven Zamor. Oh, j'ai trop hâte. Are you ready? Commençons l'aventure. Yes. Ça va, Mylène? Très bien. Pour découvrir ce look sexy, décontracté. Oui, tout à fait. Et puis, en tout cas, je te fais confiance. Ah, on aime voilà. Ce genre de confiance. Tu as de la couleur? Ce sont mes couleurs préférées, le jaune, rouge, les couleurs du feu. Ça, bien agencé, hein? Avec des bijoux argent, ouais. Un peu fort. Ça peut être terrible. Hein? Il y a quelle taille, on va essayer. Bien. Aïe, papé. J'entends rien.